Bonjour tout le monde, troisième vidéo de la journée. Alors cette fois-ci c'est pour le bilan de mes lectures du mois de septembre. Alors j'ai lu 5 livres, des coups de cœur et 2 déceptions. Donc voilà, très partagé. On va commencer tout de suite d'ailleurs par le premier tome de Skeleton Creek, la psychose. Alors comme vous le savez, c'était un réel coup de cœur. Même peut-être le coup de cœur de l'année. Je sais pas, on va attendre la fin de l'année pour savoir, pour bien savoir. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est une enquête que deux jeunes mènent. Donc ça c'est leur journal, le journal intime de l'Euro. Ils veulent aussi apercer le secret du nom de leur ville. Pourquoi ça s'appelle Skeleton Creek, la rivière, squelette. Voilà, ça peut paraître tout bête. Ils vont découvrir des secrets qu'on essaie à cacher à tout le monde. Ils vont se retrouver dans une enquête plus grosse que tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Et pour réussir, son ami va filmer des vidéos et les mettre sur internet pour que le héros puisse le voir. Mais c'est ces vidéos qui font vraiment le charme du livre. C'est vraiment on est pris dans le jeu. On a hâte de lire la suite pour découvrir de nouvelles vidéos et continuer. Donc si vous commencez à le lire, prévoyez 2 heures. Voilà, ça se lit très vite. Hein. Prévoyez 2 heures pour le lire de suite, parce que c'est on est obligé de le lire à la suite. C'est vraiment surprenant. Donc les vidéos, on nous donne des codes. Je ne les trouve plus. Là. Voilà. Il fait toujours un dessin et le code est en haut. Donc on va sur le site et on découvre la vidéo qui correspond à ce code. C'est des vidéos vraiment très bien faites, de très bons acteurs, une très bonne ambiance avec du brouillard, beaucoup de noir, des petits effets spéciaux. Et voilà, il n'y a pas de musique, c'est vraiment l'ambiance sinistre. On est pris au jeu. Ne le regardez pas la nuit. J'ai lu le tome 2. Moi, je crois que c'est le tome 2 que j'ai lu la nuit. Et je le déconseille. Je le déconseille très fortement. Voilà, vous avez des multitudes de chrono. Dans le premier, vous en avez 7 ou 8, je crois. Et dans le deuxième, vous en avez un peu plus. D'ailleurs, si vous lisez le premier, ayez le tome 2 à disposition. Car la dernière vidéo du premier tome donne qu'une envie, c'est de lire le second tome. Engrenage. Alors, un peu plus gros que le premier. Et tout aussi bien. Tout aussi bien. Il n'y a que la fin que je ne sais pas encore possède. La fin du livre. Car c'est une vraie fin. L'enquête est terminée. Enfin, je suppose. Il reste que 2-3 petits détails. Mais tout a trouvé son sens. Donc je me demande de quoi pourra parler le troisième tome. Qui sort en novembre. Ouais. Je sais pas. Moi, bien sûr, je réserverai le troisième tome. Hein. Mais je sais pas de quoi ça pourra parler. On va voir. En tout cas, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Coup de cœur. Si vous pouvez les lire, lisez-les. Et du bonheur à l'état pur. J'adore. Ensuite, après ça, j'ai lu un manuscrit. Moi, je ne l'ai pas sur moi. Comme vous savez, je ne veux pas vous dire le titre et le résumé. Mais ça a été une réelle déception. Donc, j'ai continué avec le livre qui a accumulé les coups de cœur partout sur la toile. Tout le monde, c'était meilleur livre de l'année, meilleur livre tout court. Donc je me suis dit, après une déception, on va lire celui-là. Divergence. La belle. Non, ça n'a pas marché avec moi. Désolé. J'ai pas accroché du tout. Le principe peut être bien. Il est bien. Et j'ai pas accroché au style d'écriture de l'auteur. J'ai pas accroché, il y a certains passages, je devais les relire plusieurs fois pour bien être sûr de comprendre.
les personnages. J'ai l'impression qu'il n'y avait que Béatrice qui était approfondie. Les autres, c'était vraiment des personnages secondaires. C'était vraiment. Ils apparaissaient et coucou, je suis là, au revoir, je suis plus là. Voilà, le magie, c'était ça. Dommage, car les personnages pour moi les plus attachants, c'était les personnages secondaires. Peter, Will, Al, etc. Et malheureusement, c'était beau. Il n'y avait que Béatrice dans l'histoire. C'est le gros défaut du livre, je trouve. C'était Béatrice là, Béatrice aussi, et les autres. Ils sont là que pour faire le rôle d'ami, d'un ami. Et pas plus, quoi. C'était vraiment... Et j'ai trouvé ça, c'était vraiment un gros manque. Comme le manque de description tout le long du livre. J'ai eu beaucoup de mal à me représenter les scènes, les personnages. Moi, c'était très fou pour moi. Un gros manque de description. C'était. Voilà, je trouvais qu'elle prenait un peu de tout, comme le manuscrit d'ailleurs. Elle prenait un peu de tout. Et c'est vraiment de la facilité. Sans prendre vraiment de risques. Voilà, donc. Une déception pour moi. Une déception. Je dis pas qu'il est nul. Je dis pas qu'il est nul. C'est juste que moi, j'ai pas accroché du tout. Voilà, donc peut-être que vous trouverez votre bonheur avec ce livre. Peut-être que si vous êtes comme moi, ça marchera pas. Donc je sais pas. Voilà, donc il sort le 6 octobre, donc de mai. Voilà, on est le 3. Dans 3 jours, jeudi. Donc lisez-le si vous voulez. De toute façon, il n'y a que des coups de cœur. Donc autant c'est que je suis. Comme m'a dit The Chouille, je crois, je suis le vilain petit canard. Ou le mouton noir. Donc voilà. Si vous voulez le lire, essayez. Et moi, avec moi, ça n'a pas marché. Et je pense que le second tome, je vais passer au travers. Sauf si il y a une exception, je sais pas. Et pour finir de moi, je voulais le finir bien, vu qu'elle est très bien commencée et mal terminée. J'ai lu avec le livre, avec lequel j'étais sûr d'avoir un coup de cœur. C'était obligé. Et je parle bien sûr du livre de dystopie qu'il faut lire. Le meilleur dystopie. Et on se le cache pas. Hunger Games. Voilà. Et comme pour le premier tome, coup de cœur. J'adore. Et même encore une fois, j'adore. La lecture commune avec Benjamin. Et il n'y a pas de mots pour décrire en fait ce qu'on reçoit pendant qu'on le lit. C'est. Je pense qu'elle pourrait écrire n'importe quoi sur un Hunger Games. Des choses dont on se foutrait complètement. On arriverait à être captivé par son style d'écriture. C'est. Toute la moitié, on va dire, voilà. Tout ça, c'est un peu la préparation au jeu, la préparation à la révolte, etc. Donc ça pourrait être long, vu qu'il n'y a pas énormément d'action. Ben non. On est accroché, on est dans l'histoire, on ne veut plus le lâcher. Chaque fin de chapitre nous donne qu'une envie, c'est lire la suite. On veut savoir ce qui va se passer, on veut savoir les pourquoi, les comment. On est pris au jeu, sans jeu de mots, bien sûr. Voilà, les jeux sont plus terribles que jamais, comme c'est écrit d'ailleurs. Voilà, c'est une ingéniosité fou. Les jeux de ce livre. Ils m'ont laissé bouche bée, j'ai adoré. Trop court, les jeux. Vu ce qui a été voté, ça aurait été bien de faire des jeux plus longs pour encore plus apprécier ma lecture. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Beaucoup, beaucoup aimé. J'arrête de me répéter. Voilà. Que dire de plus? Tout est dit, ça sur toutes les chroniques, mes chroniqueurs. Des blogueurs plutôt. J'adore. Les personnages sont attachants. C'est ce qu'on pourrait dire, je pense. Voilà. Si, j'ai envie de dire que ce livre peut rendre très fou. Parce que tout le long du livre, on sait avoir des histoires abracadabrodesques. Tout le monde passe du rôle du méchant à gentil, on sait plus qui croire. Il y a un personnage dans le livre. Moi je le dis pas là pour pas spoiler.
J'ai un gros doute sur lui, maintenant. Dans ce tome, il a réagi bizarrement des fois. Et je sais pas, il y a plein de petites choses qu'il faut que je doute de lui. J'arrive à douter de lui. C'est parce que c'est mon personnage préféré dans le premier tome. Et là, j'arrive à douter de lui, de son sérieux. Je me dis, est-ce qu'il est vraiment beau? Je sais pas. Et j'ai peur. Après la fin de ce tome, oui. Mais moi, j'arrive pas à le croire. Je sais qu'il y a une scène où je me suis dit, mon Dieu, il est pas beau, il est pas beau. J'avais limite envie de jeter le livre pendant que c'était aux couleurs. Mais finalement, non. Mais je sais pas. Je sais pas. Beaucoup de doutes. J'ai vraiment envie de lire le troisième tome. D'ailleurs, pour le troisième tome, je doute aussi. Oui, je doute beaucoup en ce moment. Je sais pas s'il y a des jeux à l'intérieur. Si c'est juste une révolte ou si c'est s'il y a des jeux. Donc écoutez, je l'espère que ça va être Tenlo peut-être, sinon. Car bon, c'est Hunger Games. Le principe, c'est qu'il y ait des jeux. Si on n'a pas, je sais pas ce que ça a donné. Bon, il paraît qu'il est bien, donc on va voir. Hein. On va voir. Bon, de toute façon, cette saga, c'est une saga un coup de cœur. Si vous aimez la dystopie, si vous aimez le côté survival, lisez-le. Voilà. Donc c'est fini pour ce mois-ci. 5 livres de lu. C'est déjà pas mal. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez, bien sûr. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.